Bonjour à tous, Pierre Evillan, donc agriculteur dans les Côtes d'Armor, sur la commune de Caune. Donc installé en GAEC familial à 4 associés, donc 182 hectares et un atelier lait de 1 million de litres de lait avec deux poulaillers de volaille et un petit peu de porc. Donc nous avons acheté cette Roland Wallspeed 8844 cette année. Donc 88 donc c'est la longueur, 8,80 m. 44 c'est 44 mètres cubes en volume en silage, donc en volume standard en rehausse de 70, et nous on est en rehausse d'un mètre, donc on passe à 51 mètres cubes. Donc après en monocoque on est en 1,50 m, donc là on est à 30 mètres cubes, et en plus on peut rajouter des rehausses en céréales de 20 cm qui montent le tonnage, enfin le mètre cube à 35 mètres cubes. Donc pour tout ce qui est céréales et colza, ça évite de remplir vraiment la remorque pleine et d'en gaspiller. Donc ici dans l'exploitation, donc, nous sommes Roland depuis plusieurs années, puisque ça a commencé avec mon arrière-grand-père et mon grand-père qui était l'un des premiers à avoir les remorques Roland monocoque. Donc à l'époque c'était une 8 tonnes en banne modulable, premier balancier de chez Roland. Donc ensuite nous avons une Turbo 13, après nous sommes passés à Turbo 140, ensuite nous avons une 23-34 pour finir avec une 88-44. Nous avons aussi une Turbo 16, épandeur Roland à table d'épandage. Donc Roland c'est, pour nous c'est de la bonne qualité et on ne voit pas pourquoi changer. Donc cette remorque est une full option. Donc on a le freinage pneumatique, enfin mix. Donc là on est soit air soit huile parce que nos deux tracteurs ne sont pas équipés air. Ensuite on a fait le choix de la boule Bibac à 80 pour éviter les à-coups et meilleure solidité. Ensuite on est sur deux essieux directionnels avec vérin, avec le nouveau principe du rolling qui est vachement facile d'attelage. Après on est en suspension de flèches hydrauliques, deux vérins, un de chaque côté, qui permet aussi de varier la flèche suivant la hauteur des tracteurs ou suivant l'inclinaison de la remorque, des fois dans des brèches ou des endroits vraiment, vraiment pentus. Et on a fait le choix aussi de la toute dernière nouveauté de chez Roland, la béquille sabot, donc qui est directement branchée sur un distributeur tracteur. On commande de l'aile ici arrière, on n'a pas besoin de pomper à la main, ni rien. Et on a un plus grand débattement qu'une pompe hydraulique manuelle. Donc cette benne est équipée de la suspension Rollfast, donc 6 roues indépendantes. Chaque roue un vérin pour la suspension. Donc c'est un peu le système du balancier. Sauf que là, donc vraiment chaque roue est indépendante. Les deux roues par essieu sont coupées, quoi. Chaque roue suit le terrain et fait ce qu'elle veut, avec un débattement de 20 cm. Donc bien sûr il y a des boules d'azote pour gérer tout ça. Ensuite à l'avant on a l'essieu qui est roller, c'est à dire que les vérins sont en double effet. Donc là on commande directement du tracteur, on commande distributeur. Donc on fait ce qu'on veut, on peut lever de 1 cm jusque 20, ou donc, c'est vraiment à la demande du chauffeur. Donc ça tout l'intérêt c'est pour rapporter de l'adhérence au tracteur en conditions vraiment humides. Donc autrement on est chaussé en grande roue, donc en Nokian 620, 60-26-5. Donc c'est des roues qui portent presque 8 tonnes à 40 km/h. Donc les 6 roues de la remorque peuvent porter 48 tonnes, quoi. Donc vraiment tranquille là-dessus. Au niveau de la propreté de la caisse chez Roland, donc ici ils ont fait un petit garde-boue qui évite de salir la caisse avec les pneumatiques. Donc c'est très bien. Après normalement à l'origine, donc ici nous avons une bavette qui descend, mais là on a un trou, quoi. Donc nous on a décidé de faire une bavette fait maison entre guillemets. En fait donc c'est une plaque de tôle pliée. Ici j'ai rajouté une longue bavette avec une petite chaîne ici pour éviter qu'elle se prenne sous la roue. Et là il faut faire bien attention aussi parce que quand la benne se lève, en fait les garde-boues suivent la caisse et donc se lèvent. Il faut laisser une marge assez importante là, de 10 cm pour que la bavette elle, puisse remonter pour pas que la chaîne tire dessus en fait. Sinon bah, ça arrache toute la bavette. Sur cette remorque, donc l'éclairage est en totalité à LED, aussi bien feu de gabarit que les feux.
Donc par contre, nous on a rajouté quelques petits détails. Ici, nous avons mis des phares de recul à LED, ainsi qu'une caméra qui est très appréciable. Comme ça, quand on recule un silo, une porte, on voit s'il n'y a rien vraiment derrière. Et ici, donc, on a mis des chapes de traction en cas qu'il faut tirer la remorque par l'arrière, c'est plus facile. Donc ici à l'avant, on retrouve une échelle d'accès pour monter. Et on a un avant perforé avec la plastiglas, donc qui permet d'avoir vraiment une bonne visibilité pour le chargement de la remorque. Donc en ensilage, on enlève le plastiglas bien sûr. Et quand on va à la moisson, tout ce qui est petites graines, on rajoute le plastiglas pour pas que les graines passent au travers de la grille. Donc pour les rehausses en silage, donc on est en panneau de 1 mètre. Donc là, c'est un montage rapide. Donc c'est-à-dire que tout est en alu, à part les poteaux bien sûr. Et donc là, on a besoin que d'une seule clé pour monter. Et on a une économie de poids sur l'ensemble de 80 kg. Donc ici, on a deux vannes, une de chaque côté. Donc une pour le vérin arrière gauche, une pour le vérin arrière droit. En fait, quand la benne commence à se lever, ça verrouille les essieux arrière. Donc les vérins ne peuvent plus se ramasser. Donc ça évite, en fait, c'est pour ne pas décoller l'arrière du tracteur. C'est un peu le système stabilisateur du bainage lors du déchargement. Après ici, donc c'est le gros vérin de chez Roland bien sûr, qui demande quand même beaucoup d'huile, je crois de mémoire que c'est 47 litres exportable. Donc il faut des tracteurs qui ont quand même une capacité d'huile assez importante pour bainer la remorque. Nous on n'a pas eu de soucis, mais je sais qu'il y a certains modèles qui sont un petit peu embêtés. Après ici, donc on est sur un châssis doublé, donc en 260 mm, donc très costaud. Pour conclure, donc nous on est très content de cet achat. Donc au niveau de la benne, donc, très peu tirante avec le roll face. Donc la benne suit vraiment bien le terrain, elle se traîne vraiment bien. Après donc au niveau robustesse et tout, très bonne qualité. On a un très bon relationnel aussi et très bien servi par les établissements Roland. Un très bon commercial aussi. Après niveau design, je trouve que la benne est assez jolie quoi. Avec les petits liserés blancs, les autocollants 70 ans là, Roland, ça refait la benne. Après donc nous on a un choix personnel, on a décidé de peindre les jantes en blanc, c'était un peu pour faire ressortir les liserés blancs de la remorque et puis pour aller avec les jantes du tracteur. Et autrement, très belle remorque. C'est une remorque qui est très volumineuse quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus quoi.